Salut, Willow. C'est pour attraper les papillons, ton filet? Non, c'est pour attraper les Joey. Et dès que je l'aurai pris dans mes filets, je lui demanderai de venir au bal avec moi. D'accord, mais si tu lui demandes une fois qu'il sera dans le filet, sa réponse ne sera pas vraiment libre. Oh, on a une relation un peu spéciale, lui et moi, au niveau du couple. Et tu m'as pas dit, toi, tu vas avec qui? Mon micro de chant. Je vais chanter pendant le bal, donc... Oh, super, c'est une bonne idée. Je trouve, oui. Et je suis en pleine écriture de la chanson, donc je n'ai pas le temps de sortir avec un garçon. Ça y est, je te tiens, Joey. Désolée, Jeffrey, pousse-toi, pousse-toi, allez. Là, je crois que tu exagères. John, Willow, non. Allez. Ça ne rime à rien. Tu ne peux pas jeter un filet en l'air dans l'espoir d'attraper un garçon qui te plaît. C'est sympa comme accueil. Holden Dippeldorf, c'est mon voisin super canon qui va dans un autre lycée. Est-ce que j'ai pensé à dire qu'il est super canon? Parce que je le dis, il est super canon. Je suis désolée. Willow, voici mon voisin Holden. Il est super cool. Salut, voisin super cool. Content de te rencontrer. Donc, que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, eh bien, mon ancienne école a été construite sur une très vieille mine de cuivre qui est maintenant un trou à ciel ouvert. Avec toute mon ancienne école dedans. C'est pourquoi je finis l'année ici. Ah, d'accord, tu finis l'année à Ridgewood. Tu vas être avec moi, je veux dire, avec nous toute l'année. Oh, génial. Ouais, et donc, il faut que j'aille au bureau des inscriptions qui se trouve... Oh, il est de ce côté. Il est de ce côté, au fond du couloir. Voilà, à plus tard. Quoi? Tu craques sur lui. Arrête. Non, je craque si, pas sur craques. Lui. Oh, c'est pas Joey qui vient de passer. Il est à moi.